allons continuer aujourd'hui notre série Vitalité et Santé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de légumes de saison, qui s'appelle Mixed Vegetable with Coriander. Donc, c'est le mix de légumes de saison à la graine de coriandre et au coriandre frais. Le coriandre est très riche aussi en vitamines, très très bon pour la santé, pour le purge aussi. Et donc les légumes évidemment sont très bons pour la santé. Donc je pense qu'avec cette recette, vous allez faire le plein de vitamines. Alors pour cette recette, comme son nom l'indique, je vais prendre des légumes. Donc j'ai pris la moitié d'une petite courge, parce que la saison des courges va démarrer, et les courges c'est très très bon, c'est un peu fade, donc je vous montre la manière de le préparer où vous allez vous régaler. Ensuite j'ai pris le quart d'un petit chou-fleur, un demi aubergine, une carotte, et j'ai oublié de le mettre là, mais une bonne pomme de terre ou deux pommes de terre de moyenne taille. Ça c'est pour les légumes. Ensuite je prends coriandre frais et petits morceaux de gingembre. Et pour les épices, je prends, donc écoutez bien les épices parce que c'est ça qui va donner le goût à ma recette. Donc je vais préparer les graines de coriandre, donc je vous montre. Hein. Voilà, donc ce matin quand j'étais chercher mes légumes à l'eau légumes, à côté de la caisse, j'ai vu qu'il y avait des bouteilles d'épices, des petites bouteilles d'épices, et il y avait les graines de coriandre. Donc regardez, voilà, pour cette recette, il me faut les graines de coriandre, les graines de cumin et un piment rouge. Donc là, j'ai pris une cuillère à soupe de chacun des épices que je viens de vous dire, à part, je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, pour démarrer ma recette, il me faudrait du cumin en grain. Voilà, regardez, j'ai fait un mélange d'épices. Donc, cumin en grain, graines de moutarde. Donc, je vous avais donné une récap dans ma chaîne YouTube sur les épices. Donc, dedans, il y avait tous les épices que j'utilise. Et là, si vous l'avez suivi, vous avez vu que je prends des graines de moutarde, graines de cumin, graines de fenouil et graines de fenugrec. Donc si vous ne trouvez pas les graines de fenugrec, vous les laissez, vous utilisez les trois autres. Donc les graines de fenouil, c'est aussi des graines de anis. Donc voilà, vous prenez une cuillère à café de chaque. Et ensuite, il me faut du sucre, du sel et du curcuma. Voilà, donc là nous allons démarrer ma recette, et j'ai pris donc un wok en fonte, mais alors il est beaucoup plus important, c'est un wok qui est de grande taille parce que les légumes il leur faut de la place pour être isolés. Je vais le chauffer, et comme c'est un wok en fonte, ça va mettre un peu de temps pour chauffer. Pendant que ça chauffe, je vais mettre mes épices que je vous ai dit au départ, les trois épices que j'ai mélangées, dans le wok, parce que justement, il ne me faut pas un wok très très chaud, et je vais les griller à sec, parce que je vous ai déjà expliqué que le cumin sans être cuit est indigeste, et on cuit aussi là les graines de coriandre, cumin et piment rouge. Donc là, je vais les laisser griller jusqu'à ce qu'il y ait une petite fumée qui dégage, ou je vais les enlever. Donc voilà, une fois qu'une petite fumée s'est dégagée de mes épices grillées à sec, je les ai enlevées et je les ai mis dans un mortier où je vais attendre qu'ils refroidissent avant de les broyer. Si vous les broyez chauds, ils vont dégager de l'humidité, et c'est pas ce qu'on veut. Du coup, dans le wok qui était maintenant très très chaud, j'ai mis de l'huile. Et je vais mettre le mélange d'une cuillère à café, comme je vous ai dit, des trois épices. 4 si vous trouvez les quatre épices, sinon les trois. Voilà. Je vais les laisser crépiter.
Et pendant ce temps-là, j'ai coupé mes légumes. Donc j'ai coupé mes légumes, mais en deux parties différentes. D'abord, ceux qui cuisent vite, c'est donc la courge et l'aubergine, hein, qui cuit assez rapidement. Et de l'autre côté, pommes de terre, chou-fleur et carottes. Alors, une fois que mes petits grains ont crépité, je vais mettre directement les légumes dans le wok et je vais bien les mélanger. Et je vais les laisser griller, je vais les laisser prendre un peu de couleur. Donc voilà, je remue mes légumes et au bout de à peu près 3 minutes, je vois que mes pommes de terre se colorent un peu. C'est pas cuit, hein, mais c'est déjà un peu grillé. Et à ce moment-là, je mets le gingembre. Le gingembre, je l'ai coupé en petits morceaux et ensuite avec le couteau, je l'ai broyé un petit peu pour qu'il n'y ait pas de gros morceaux dans la bouche. Donc je vais les saupoudrer sur les légumes et je vais remuer de nouveau. Vous allez avoir l'odeur donc, qui va monter de gingembre, très agréable pour moi d'ailleurs. Voilà. Et une fois qu'on a bien fait ça, on met le restant des légumes, donc la courge et l'aubergine. Voilà. Allez, donc là on mélange comme il faut. Et là c'est très important de laisser suer les légumes pour que ils dégagent toute leur humidité et que vos légumes ont un goût de caramel parce qu'on va les laisser caraméliser. Moi j'adore absolument cette recette parce que les légumes ils sont fondants, ils sont caramélisés et c'est un super moyen. Après moi je ne mélange pas, je ne mets pas de petits pois, je ne mets pas de poivrons, je ne mets pas d'haricots verts. Je mets vraiment ces légumes-là parce qu'ils se marient très très bien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Juste pensez à diviser en deux les légumes qui cuisent vite et les légumes qui cuisent moins vite. Et faites d'abord cuire ceux qui cuisent moins vite. Et à mi-cuisson, vous mettez les autres légumes. Donc vous voyez là, je laisse quand même bien suer mes légumes. Et cette étape est assez longue, il faut avoir de la patience. Et donc pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire, c'est broyer vos épices de tout à l'heure qui ont refroidi ici. Voilà, avec un mortier. Ou alors si vous avez un moulin électrique à café, vous voyez les épices remontent là. Voilà, c'est un super goût de grillé. C'est vraiment absolument délicieux. Voilà, donc j'ai utilisé mon temps pour donc un petit peu broyer mes épices. Et je vais aussi prendre le temps de ciseler cette coriandre. Que j'ai bien sûr lavé et séché. Hein. Une fois que mes légumes ont grillé pendant 3 minutes environ, tous ensemble, je vais mettre, donc moi je dose comme ça, mais vous pouvez prendre une cuillère à café de sucre, et ça c'est pour, comme je vous ai dit, c'est pour caraméliser. Voilà les légumes. Je vais prendre une demi-cuillère à soupe de sel. Je vais prendre le curcuma, demi-cuillère à soupe aussi. Et là, je vais remuer de nouveau mes légumes pour mélanger bien les épices que je viens de mettre. Vous avez fait ça, vous réduisez le feu, vous couvrez et vous laissez cuire
10 minutes. Jusqu'à ce que les légumes soient tous cuits et prêts à déguster sans être écrasés. Donc au bout de 10 minutes, je viens voir mes légumes et je vérifie les pommes de terre. Voilà, le chou-fleur, coupé, la courge, évidemment beaucoup plus tendre, la carotte, tout est cuit. Là, mes légumes sont cuits, ils ont réduit. Alors, moi, j'ai surveillé la cuisson, j'ai remué et j'ai pas laissé attacher. Parce que là, il n'y a aucun légume qui donne vraiment beaucoup d'eau, donc ça peut attacher. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'eau, mais quand je dis tout petit peu d'eau, vous mettez vraiment, vraiment, je sais pas, mais vraiment un petit peu d'eau au fond pour pas que ça attache, mais vraiment pas plus, parce que là, il faut que ça soit les légumes doivent être comme ça, pas tout écrasé avec une sauce et tout ça. Donc là, pour moi, les légumes sont cuits. À ce moment-là, je mets le coriandre que j'ai ciselé, puisque c'est des légumes massalés au coriandre, et par-dessus, je mets mes épices grillées. Et je coupe le feu. Et donc, mes légumes sont prêts à déguster. Donc, une fois que mes légumes sont préparés, ici à côté, en papillote, j'ai préparé un filet de poisson au citron. Donc, j'ai mis un filet de cabillaud avec deux rondelles de citron, un petit peu de ciboulette, sel, poivre et l'huile d'olive. J'ai mis au four 25 minutes et je vais le déguster avec mes légumes de saison. Donc, moi je sais que je vais me régaler, je vais aussi régaler ma famille ce soir. J'espère que vous aussi vous allez tester cette recette qui va vous faire manger tous ces bons légumes de saison et que vous allez likez ma recette, partagez avec des amis et votre famille et me posez des questions si vous en avez. Merci et à très très bientôt. Namasté.